Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais tester rapidement un accessoire un petit peu particulier puisqu'en fait j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi plusieurs blogueurs pour tester un accessoire qui sera mis sur le marché en France que à partir du mois d'octobre et qui sera vendu par la célèbre marque de piles Duracell. Et donc c'est un accessoire qui est présenté comme Duracell comme révolutionnaire. Et qui s'appelle le Duracell MyGrid. Alors, je vais vous présenter ce que c'est. Donc, on voit déjà ici le packaging qui est assez sympa. Donc, on voit ici, il y a des chargeurs, des prises en fait qui essayent d'attaquer une femme. En fait, la boîte elle est composée de deux choses principalement. Donc, des housses qui sont en fait des housses pour. Pour différents types de téléphones, donc je sais pas exactement. Là, on a pour un iPod Touch. Là, je sais pas. Ça ressemble à un BlackBerry, je pense. Ici, à un téléphone plus traditionnel. Je ne sais pas. Vous avez ici des adaptateurs. Donc, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et le principal, ici, il est ici en fait. C'est la grille de rechargement. Donc en fait c'est un accessoire qu'on voit très fin, donc une plaque en fait avec des inserts métalliques qui est branché avec un adaptateur secteur classique. Et donc je vais vous expliquer à quoi sert cette grille. Alors c'est très simple, je vais vous montrer directement avec mon iPhone. Donc en fait j'ai déjà en fait, donc voici mon iPhone. Donc avec le MyGrid sont fournis, comme je vous l'ai montré au départ, différents adaptateurs. Donc ici en fait c'est la housse ou la coque si on veut pour iPhone. Alors c'est un peu particulier puisque vous allez voir, on a ici le connecteur iPhone avec une espèce de renforcement en plastique. Et d'ailleurs, comme vous le voyez ici, il y a quatre picots métalliques. Voilà, qui vont en fait servir à recharger l'appareil. Donc en fait, il y a le connecteur iPhone ici qui est relié directement à ces picots métalliques. Donc bon, l'iPhone s'insère de manière, je dirais, tout à fait classique, comme si vous mettiez une protection en silicone par exemple. Donc voilà, on voit ici donc en termes de taille, c'est à peine plus épais qu'une coque traditionnelle, voire moins que certaines. Il y a juste aussi en fait le petit ergot géré en plastique qui dépasse un peu. Donc là en fait bon, on voit que ça ne gêne pas l'utilisation de l'iPhone. Bon, le seul truc c'est que la housse fournie, on voit qu'elle est fabriquée de manière un peu grossière. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas très très gênant. Et le plus intéressant dans tout ça, je vais retourner sur la grille. Donc en fait, très simplement, donc là j'ai mon iPhone. Je vais le poser, vous allez voir, juste le poser sur la grille. Et voilà. Donc là en fait, j'ai à peine posé l'iPhone sur la grille. Et on voit qu'il est en train de... Ah, je remets ici. On voit qu'il est en train de charger. Donc la petite lumière bleue s'est allumée. Voilà, donc c'est en fait, le système est quand même... Je le trouve très pratique. C'est vrai que moi j'utilise depuis plusieurs jours et l'usage c'est quand même super sympa. En fait, on arrive, hop, on pose l'iPhone. Donc là, vous pouvez le poser vraiment n'importe comment, dans n'importe quel sens, ça va marcher. Alors le principal avantage qui est avancé par Duracell, c'est en fait vous avez uniquement besoin de ce chargeur-là pour charger plusieurs appareils. Donc là en fait j'ai mon iPhone, mais je peux très bien avoir un deuxième iPhone, voir si je le sers un peu un troisième appareil comme un petit téléphone, un iPod Touch. Et du coup en fait ça évite d'avoir à brancher de multiples chargeurs, de se prendre la tête avec ça, etc. Je vais revenir du coup sur les adaptateurs que je vous ai montré au départ. Hop. Alors en fait, ces adaptateurs sont prévus pour
Les nombreux smartphones qui sont dotés d'un port mini USB en fait, ou autre. Donc là par exemple, voilà, j'ai trouvé. Donc là on voit ici en fait un adaptateur. En fait, donc souvent les smartphones en fait sont dotés d'un port mini USB sur le côté. Et du coup, ce type de housse justement avec le connecteur ici ne fonctionne pas. Donc ce que Duracell a conçu, c'est un adaptateur en fait que vous positionnez sur le côté de votre appareil. Bon, voilà, ça marche pas. Mais. Et que du coup, vous reliez ensuite, tac, avec ce petit accessoire ici, vous reliez ensuite à votre housse qui vous est fournie, par exemple, ou même sans la housse. Et du coup, ben, voilà, donc là, si par exemple, je fais une simulation avec mon iPhone. Donc voilà, donc imaginons que mon iPhone ait un connecteur USB ici. En fait, je place ce connecteur ici, hop. Et du coup, l'autre adaptateur qui contient justement les 4 pics en plastique va se retrouver sur l'arrière. Donc là, en fait, bah, pas besoin de housse ni quoi que ce soit. Vous bénéficiez justement de la possibilité de recharger votre appareil sur la grille. Simplement avec ce petit adaptateur en plastique. Donc c'est assez bien pensé et surtout ça permet que la solution de rechargement soit compatible avec de nombreux téléphones. Alors dans le communiqué de presse qui m'a été fourni par Duracell, ils annoncent espérer couvrir 50% des modèles de téléphones d'ici quelques mois lors de la sortie notamment en Europe. Je pense que c'est un chiffre assez réaliste puisque justement avec ce petit adaptateur plus les différents modèles de housse, on pourrait justement couvrir un très large nombre de modèles. Et ils annoncent également des adaptateurs pour différents accessoires, donc les Nintendo DS, les manettes de jeu pour PS3, Xbox 360, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si les adaptateurs justement sont nombreux et pas très onéreux, ça peut être intéressant puisque du coup on pourrait avoir besoin uniquement à la maison d'une grille de rechargement. Et avec les différents adaptateurs dont vous disposerez, plus besoin de 50 000 chargeurs avec de nombreux câbles qui traînent un peu partout. Juste besoin justement de la grille de rechargement. Donc pour conclure en fait déjà je remercie l'agence de communication de m'avoir fourni cet accessoire je dirais en exclusivité et moi je trouve que ça part vraiment d'une très bonne idée. J'espère simplement que le succès sera au rendez-vous, que du coup on pourra avoir du choix dans les adaptateurs et que du coup on puisse recharger tous nos appareils ou presque sur un simple modèle de chargeur MyGrid. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et à bientôt sur le site.